nome de Jesus. Aleluia. Celui que je vais annoncer maintenant, il est le premier responsable de ce ministère, qui est le ministère de la compassion des âmes, dans laquelle se trouve une église qu'on appelle l'église Pentecôte Authentique Internationale. Il est le premier, le guide spirituel du moins de la Confédération Internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est le maréchal de la brigade antisociée, le prophète Joël grâce au Shalom, qu'on acclame Jésus de Nazareth. Siana mio, come on, Vasile, Siana mio, Siana mio, I'm gonna get some more.
Seigneur, lève tes mains et adore ton Dieu. Nous sommes réunis ce matin pour adorer notre Dieu. Lève tes mains et adore ton Dieu. Raise your hands. Ouvre ta bouche. Praise the Lord. Open your mouth. Et adore ton Dieu. And praise the Lord. Ouvre ta bouche et adore-le. Open your mouth and praise. J'aimerais te voir adorer le Seigneur. Adore-le de tout ton cœur. Parce qu'il est puissant, il est vivant. Ouvre la bouche et célèbre ton Dieu ce matin. Praise the Lord. Sa vie change. Je dis bien vous parler. De ce qui te protège, de ce qui te bénit. Ouvre la bouche et adore ton Dieu ce matin. Nous adorons la bouche. The Spirit of God is giving me a cantique, un esprit de Dieu m'inspire maintenant. A song which is inspired by God. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les gens Happy, happy, so.
Seigneur Jésus va prendre sur lui tout le poids de notre péché. Il arrive un moment où les gens l'ont rejeté. On dit crucifiez-le à la place de Barnabas. Ils ont tué Jésus, l'innocent. Il acceptait de monter la croix par amour. Et encore, il dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Forgive them because they don't know. La dernière phrase de Jésus à la croix, tout est accompli. L'accomplissement de notre miracle. Jésus est notre salut. En lui, nous avons tout. Jésus est notre salut. Je me souviens des années en arrière où j'étais né à nez face à la mort. Je ne savais plus où mettre la tête. J'étais accablé par cette pensée qui montait chaque jour. Parce que j'ai vu mes parents mourir sous mes yeux. J'étais né à nez avec la mort. Et j'ai vu sa main me délivrer. Jésus. Jésus, c'est pas une histoire. Jésus, il est vivant. Sur ça, qu'est-ce que tu vis n'est rien face à sa souffrance, sa suprématie, face à son autorité, face à sa puissance. Il est capable encore de te guérir, de te restaurer. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'est délivré ce matin. Dis-lui merci, ouvre la bouche. Dis-lui merci ce matin parce qu'il est vivant dans cette assemblée. Il est présent ce matin. Ou encore t'apporter du bien. Ou encore te faire du bien. Ouais, dis-lui merci parce que c'est l'ami fidèle. L'homme peut te rejeter. Il y a pas mal de personnes qui t'ont abandonné. Mais lui, il reste fidèle. C'est l'ami fidèle. Jésus est fidèle. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Merci parce qu'il est mort. Merci parce qu'il est vivant. Merci parce qu'il est puissant. Merci parce qu'il est vivant. Merci parce qu'il est puissant. Merci parce qu'il ne change pas. Merci parce sa fidélité. Merci parce qu'il te protège. Merci parce qu'il ne t'abandonne pas. Merci parce qu'il réalise ses promesses et dans ta vie. Merci parce qu'il est Seigneur. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou rugira, toute langue confessera que